me dis, mais déjà qu'il est un peu trop petit, hein, parce que je l'ai eu quand j'avais, quand j'étais jeune et beau, et depuis là, j'en ai pas d'autres. Mais il m'a encore servi il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu un repas de corps au Bric, là, au port de Bruxelles, et évidemment, il faut s'habiller comme un pingouin pour y aller. Jean-Yves, tu n'aurais pas trop qui tire le chaud. Tout ce qui est dans cette valise, il faut le laisser dans la valise et ça faut l'amener. Il faudra l'amener dans le musée, c'est pour Youssef. La valise ici. Mais laisse les fleurs dans la valise, non, dans le sac. Remets tout dedans, tu refermes le sac. Tout le sac va là-bas. Tout le sac va là-bas, ouais. C'est pour Youssef. Je te dis et tu me dis si ça colle ou quoi. North Star News, la chaîne qui déserte le récit des fronts. North Star News, la chaîne qui initie le récit des frontières. Non, plus de frontières. La chaîne qui déserte le récit des fronts. La chaîne qui déserte le récit des frontières. La chaîne qui relie les contines. On est pile poil au moment où ils sortent, ils vont chercher un sandwich. North Star News, la chaîne qui déchire les fronts, qui traverse les frontières. Nous avons un scoop, l'acte de mariage intercontinental. Non, c'est mon père Jean-Lin. Vous êtes ma sécurité. Oui, j'arrive quand même. Déserte le récit des frontières et ici Madame Afrique a choisi de marier Monsieur Europe qui finalement quitte la désunion européenne. Ah. North Star News, c'est cette nouvelle chaîne du jour d'aujourd'hui, cette chaîne qui va déserter le récit des fronts, qui déserte le récit des frontières, c'est la chaîne qui initie le récit des ponts. Et donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer, avant tout, avant ces magnifiques époux-épouses, nous sommes là pour inaugurer le pont de l'espoir, le pont qui relie les continents. On m'avait dit que le direct serait prévu avec l'architecte du pont. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu passer ou si déjà il marche, il traverse ce pont. J'avais une question à lui poser sur l'élasticité de ce pont, si l'élasticité va parcourir cette distance, et si évidemment l'aller et le retour, donc c'est-à-dire de cesser ce sens unique entre les choses, entre les continents. L'architecte est là ? Non ? Les aléas du direct. Est-ce que vous avez à chaud une... Nous sommes témoins. Vous êtes témoin. Une grande diversité. Une grande diversité, effectivement. Je savais. Je suis très heureuse que ce pont puisse enfin se réaliser. Je suis très heureuse que nos deux continents soient enfin reliés, comme à l'âge de glace, où il n'y avait pas de détroit, où les personnes pouvaient circuler librement. C'est un grand pas pour l'humanité. L'humanité avec un grand H. Et j'ai la conviction que nos deux continents ont beaucoup à apprendre de cette union. Bravo. Bravo.
pont est élastique et il pourra rejoindre peut-être les deux plages. D'accord. Parce que la plage est souple. D'accord, Olivier. Nous irons jusqu'au maximum, suivant l'eau. Suivant l'eau, ok, Olivier, oui. Je vois. Transparent. Situation transparente, Olivier. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de rendez-vous. D'accord. Au captain, my captain. Donc, le marié Europe a une proposition à faire. Une déclaration. Qui est, je crois, extrêmement importante. Nous avons affaire à une bouteille de champagne. Normalement, on doit la fracasser sur une coque de navire. Or, nous avons affaire à un pont souple et un navire hardi qu'il ne faudrait pas abîmer. Et donc, je propose que cette bouteille à la mer pour l'humanité reste éternelle et qu'on ne l'oublie jamais. Magnifique. Bravo. Je proposerais aussi que les caméras fassent un gros plan sur l'acte de mariage intercontinental. Peut-être vous pouvez tenir vous-même cet acte de mariage. Voilà. Les aléas du direct, le commandant me signale qu'il a préparé lui-même un aquarium, c'est ça? Un aquarium, oui, un aquarium avec de l'eau, mon Dieu, comme c'est original. Voilà, vous pouvez témoigner. Seul North Star News pouvait couvrir cet événement. Madame ? Couplet, refrain avec Lecture de l'art des mariages. De l'acte. Mariage est conclu entre Monsieur Afrique, en l'occurrence l'époux, né du fractionnement commencé il y a environ 160 millions d'années, au Jurassique de l'ancien supercontinent, le Gondwana. Un petit correctif, Madame Afrique, d'accord ? C'est Madame Afrique, c'est pas grave, mais voilà, Madame Afrique. Lui-même détaché de Pangée il y a 600 millions d'années, de nationalité terrienne, point plus ou moins central du continent africain, à peu près sur la limite entre le Tchad et la République centrafricaine. Longitude, 20 degrés est. Latitude, 10 degrés nord. A, titulaire de la carte d'identité nationale numéro BK333-969, célibataire selon sa déclaration et suivant l'autorisation su-indiquée. Mademoiselle Afrique, en l'occurrence l'épouse, née la dislocation du supercontinent Pangée au début du Jurassique vers 200 millions d'années, se traduit par l'écartement des plaques européennes et africaines l'une de l'autre et l'ouverture entre elles d'un vaste océan, la Tétis, et donc le 23/2/1990 de nationalité terrienne. Le présent mariage est conclu conformément aux prescriptions du Livre Saint et à la loi musulmane. Prenez la ligne. Vas-y. Maintenant, vous allez vérifier que c'est le bouquet, parce que chacun sera d'un côté de lui.